J'ai commencé à animer des clubs de lecture voilà plusieurs années. Pour moi, animer les clubs de lecture, c'est un pur bonheur. J'aime transmettre, j'aime faire découvrir des bijoux de livres. Je vais vous présenter un auteur de la littérature policière et une auteure de la littérature fantastique. Ces deux genres-là, jadis étaient considérés comme mineurs, ils reçoivent de plus en plus les louanges qu'ils méritent. Pour la littérature policière, Patrick Sénécal, qui est né à Drummondville en 1967. Donc, dans ses thrillers policiers, nous avons 51-50 Rue des Hommes. L'histoire, c'est un jeune étudiant de 23 ans qui arrive dans la ville de Montcharles où il va étudier. En attendant le début de ses cours, il se promène en vélo pour se familiariser avec la ville et aboutit dans une petite rue cul-de-sac. Et là, l'horreur commence à partir de ce moment, et pour le jeune, et pour le lecteur. Je ne vous en dis pas plus. Le passager, c'est Étienne Séguin, il n'a pas 30 ans. Il est originaire de Drummondville, demeurant depuis quelques années à Montréal. Il vient d'accepter un poste de professeur de littérature au cégep de sa ville natale. Il fera l'aller-retour par l'autoroute 20. Il remarque un autostoppeur toujours posté au même endroit au moment où il passe. Pourquoi ne pas le faire monter afin de rompre la monotonie de la route? Dès la première rencontre, le jeune homme comprend que son passager l'a connu dans son enfance. J'arrête ici. Je peux vous assurer qu'il y a une tension extrême. Ça nous maintient jusqu'à la fin. Nous avons aussi Les 7 jours du Talion, qui est sorti en film en 2010, et Le Vide. Patrick Sénécal est aussi un scénariste et un réalisateur, donc il participe au scénario de ses œuvres. Pour la science-fiction et le fantastique, maintenant, je vous présente l'auteur Natacha Beaulieu. Elle est née à Montréal le 29 février 1964. Son œuvre explore le monde de la marge, les comportements déviants et les pratiques anormales, voire perverses. Je vais vous présenter trois livres qui font partie d'une trilogie qu'elle a intitulée « Les cités intérieures ». Le premier, c'est « L'ange écarlate ». Il se veut le livre des passions. Tout débute au cours d'une soirée fétiche lorsque l'ange écarlate, une dominatrice, écorche de ses ongles d'acier la poitrine de Jimmy Novak. Depuis, le jeune peintre a littéralement cette femme dans la peau. C'est une écriture haletante, on peut dire. Il n'y a aucune longueur. On tourne les pages, on veut savoir jusqu'à la fin. La deuxième, dans la trilogie « L'eau noire », on peut dire celui-là que c'est le livre des mystères. Il y a d'abord Randy, un barman de la cité de Penlock. Il fait la connaissance de Stick, une ensorcelante créature qui peut voyager ailleurs en empruntant l'eau noire. Tout aussi palpitant que le premier volet. Et le troisième de la trilogie, c'est « L'ombre pourpre ». Aya a disparu par l'eau noire. Son père, projeté à son tour dans l'autre monde et la cité de Penlock, tente de l'y retrouver. C'est une trilogie pour moi qui est sans égale dans l'actuel paysage des littératures de l'imaginaire. C'est une jeune auteure vraiment à découvrir. Elle n'a pas une longue bibliographie. Elle en a publié d'autres et je les ai tous lus. Tout est à lire. Elle est vraiment extraordinaire.